Pour moi, l'école, les Trillium, est un endroit où je peux apprendre en m'amusant. J'aime venir à l'école parce que quand le matin, quand on se lève, on se sent bien. J'aime cette école car c'est un environnement francophone et car je peux m'exprimer en français. Mon école, pour moi, c'est une école où je peux rester en forme, développer mon esprit d'équipe et participer aux tournois sportifs. Belle question de savoir, mais en fait, pourquoi on travaille au Trillium? À notre école, on s'est super bien intégré la diversité ethnique et culturelle au jour le jour. Puis j'apprécie beaucoup la motivation spontanée des élèves. Ils aiment afficher leurs plus beaux sourires et ils savent faire émerger leur esprit de collaboration. Puis je me sens à l'aise dans cette école. Être soi-même, avoir beaucoup d'amis. On joue au gymnase, on lit des livres et on apprend de nouvelles choses. Moi, la raison, elle est simple. L'esprit qui règne dans cette école. Les élèves de l'école de Trillium sont des élèves excessivement chaleureux, des élèves motivés, qui ont le goût d'apprendre, qui me donne le goût d'enseigner. À l'école de Trillium, j'aime participer au programme ERPA parce que j'aide les petits à régler leurs conflits. Moi, j'aime participer au programme des ambassadeurs parce que ça me donne des responsabilités et ça crée un bon climat d'accueil dans notre école. Le fun de travailler dans cette école, c'est surtout toute cette utilisation qu'on fait de la technologie en ce moment qui rend tellement les élèves motivés davantage. Venir à l'école Trillium parce que je fais de l'art et quand je fais de l'art, je fais des choses créatives et ça m'aide à me calmer. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cette école, c'est notre engagement, l'engagement de tous les élèves, n'est-ce pas, pour la cause écologique. On a eu beaucoup, beaucoup de participation d'élèves et puis cette participation a été couronnée par, on a eu le titre d'or, donc ce qui est une très bonne chose. Et je suis très très fier d'être parmi cette communauté ici à Valmont, au bastion de la francophonie.